d'amis. Si j'étais vous, j'irais sur boutiqueaegis.fr et je prendrais une gourde. Sans vous poser de questions. Mais seulement si j'étais vous, hein, j'appliquerais à la lettre ce que je dis. On peut mettre du ketch dedans, on peut mettre du ketch dedans. Je prends une gourde, si t'ouvres les œufs, vas-y. Là, si tu veux tout savoir, j'ai une alerte sur mon téléphone qui est liée à d'autres boutiques. Si quelqu'un prend une gourde, j'ouvre les œufs. Sinon, j'ouvre les œufs après la game. S'il y a une gourde qui arrive pendant la partie, je les ouvre maintenant. Sinon, je les ouvre à la fin de la game. C'est bien entendu. Hein. Ah ! Manales. Alerte, Manales. Alerte. Shogat, Malzahar, bravo à tous. Ceci dit, cas agréable. Comment je la joue celle-là ? Cher ? Mais pourquoi cher ? Attendez. Vous êtes complètement malade ! Alors, en vrai, je la joue comment ? Est-ce qu'il y a des bons joueurs dans le chat ? J'ai plein de possibilités là. J'ai de la thune aussi. Bah, je pense qu'il faut s'orienter sur... Putain, c'était... C'était du Innov. C'était du Innov. Parce que là, il y a Lucien. Il y a Lucien, il y a GS. C'est agréable, en vrai. Push Corki ? Mais j'ai pas Corki ! Oh. Bah, je veux bien, mais j'ai pas Corki. Corki, 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 Corki. Ah. Push Silco. Oh, alerte. Alerte, il y a une gourde. Il y a eu 3 gourdes. C'est pas vrai. Mais non. Attends. Attends, mais il y a eu 3 gourdes. Attends, mais c'est la folie là. Alors les amis, alors normalement, vous devrez me reconnaître, il y a un Jonas, il y a un Maxime et il y a un Florian. Je veux dire quand même les applaudir et les remercier. Merci beaucoup pour l'achat des gourdes. Ça fait super plaisir. Il y a 4 gourdes ! Il y a un Romain ! Eh, là, si ça, ça mérite pas des œufs, ah, c'est la folie, hein, là. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien, franchement. Merci infiniment. Merci beaucoup. Il y a un Gnar. Bon, on push. Hein, foutre. Merci beaucoup, Bruno. Alors, vraiment, la gourde est vraiment de très très bonne qualité. Et je vous le dis, et bah, je l'utilise depuis day one, hein, et j'en suis très satisfait. Je me reconnais pas, est-ce que tu peux me donner le numéro de carte bleue pour être sûr ? Non, mais au pire, tu la retrouves.
Et il reste plus beaucoup de gourdes, et sachant qu'on n'en refera plus, puisque bah, c'est qu'une c'est une collection, hein, c'est qu'une collection qui est sortie, donc... Si vraiment vous voulez vous la procurer, comme toutes les pièces qu'il y a restantes dans le shop, parce qu'il reste très peu de maillots et très peu de jogging, il n'y a plus aucun hoodies, je vous recommande, si vous aimez notre, notre équipement, de le faire très très vite. Allez, pack, pack fondateur, c'est ouf, hein. Pack fondateur, vous avez été... Mais genre tellement réactif. Et ça, ça vous plaît d'ailleurs, ceux qui ont reçu les packs fondateurs? Vous avez bien kiffé les items? Le hoodie est vraiment incroyable. Faut le dire que là, en fait, nous, on est contents parce qu'on veut que la qualité du hoodie reste, quoi. Un gnar! Le hoodie est trop trop bien. Ah ouais, il est vraiment incroyable, le hoodie. Alors, on a du 2 Social Age, j'ai toujours pas Twin Shot. Lulu, on s'en fout. On a Scrappy. On n'a pas de Vex. On peut push Léona. On peut économiser aussi. On peut être tranquille. Merci à Tilbé, merci beaucoup. Putain, il a une spat mutant en early game. Oh là. Voilà, on joue clairement pour un top 6. Hein. J'ai vu déjà 6 joueurs de mutants. 5 joueurs de mutants, pardon. Donc un top 6, à mon avis, c'est pas cher payé. Et comme du coup, il y aura beaucoup de Malzahar et de Cho'Gath de sortie, je pense que jouer Lucian, ça peut être une bonne option. Je ne sais pas, pour être franc. Je sais pas si... Lucian peut gagner contre ça. Et moi, j'ai clairement une sortie Lucian, donc... Le bisgear de Lucian, il n'y a pas vraiment de bisgear Lucian, il prend un peu tout. Il aime bien la paix, quoi, il aime bien la paix. Je pense que... Tu vois, par exemple, Rabadon, IE Spellcrit, il aime beaucoup. Et bon, là, le truc, c'est qu'en fait, on va downscale très très vite avec ça. J'espère que... Ah, je vais pas vendre en vrai, parce que Léona, c'est le level d'après. Je... Ah, quoique, c'est peut-être Twinshot le level d'après. Parce que... Ah, mon père. Ah tiens, je pensais pas. Je le voyais faible, mais on est encore pire que lui, visiblement. Triple Rabadon sur Lucian, très fort. Eh bah, figure-toi que c'est pas si mal, en vrai, triple Rabadon. C'est pas si mal. Bah, Senna, elle est pas obligée d'être là. Hein. En vrai, même ça, je pense que c'est plus fort, en vrai. C'est plus fort. Il y a pas mal de commandes sur la boutique des amis, en tout cas. C'est super gentil, merci beaucoup. Franchement, merci. Hein. Je les reçois à chaque fois. Que vous commandez quelque chose, et merci beaucoup. Hein. Chacun d'entre vous. Ça aide vraiment beaucoup le projet Aegis à avancer, parce que bah, pour l'instant, on n'a pas de partenaire. Donc, on espère en avoir très bientôt, des trucs cool, mais ça fait que c'est... clairement un beau moyen de soutenir. Oh! Nice, ça! Ok. Je pense qu'on va faire IE Spellcrit. Hein. On n'aura pas de régène, on aura 3 Socialite, quoi. Go refaire des switcheuses en XS, papy. Sur cette collègue, il n'y en aura plus. Hein. Malheureusement. Il y aura d'autres collègues. Hein. Est-ce que DFG MV vont faire une apparition pour les championnats d'Europe? Bon, ils regardent, hein. Ils regardent. Après, nous, en fait, le truc, c'est que pour les championnats d'Europe, j'ai le stream officiel. Donc, c'est pas... Je peux pas faire que du Cocorico à Aegis, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, ils regardent, ils soutiennent. Ils sont là avec nous. Putain, Kashin rapide, hein. Je vais roll pour passer ça level 2, trouver un Corki, je pense. En priorité.
Pas mal. On va quand même trouver un. Presque jouer les six Yordles, là. Ouais. Six Yordles Lucian. Peut-être trouver Lucian 2 quand même. Hein. Je pense que. Oui. Ouais, c'est très très bien. Ah, on est tombé contre. Le setup qu'il a lui. Oh. Déjà, moi j'avais un setup vraiment fort, mais alors là. Oh putain. Bon, good loss en vrai, good loss. Ouais, je referme les œufs. Pas que ça spamme trop. Hop là. Ni vu ni connu. Alors qu'est-ce qu'il y a pas dans mon équipe? Toi t'es clown. C'est quoi la suite après? Parce que là j'ai clairement envie de roll. Hein. 4 Yordle. Qu'est-ce qu'il y a en trop là? Il y a un truc qui est en trop j'ai l'impression. Tu vois? Mais il est bien lui normalement. Zix clown? Pourquoi il est pas bien là cette game? Comment je fais là pour bien jouer? Non mais juste une Morgana vous pensez? Ah ouais, j'aime bien le Swain, c'est pour ça que je le garde souvent avec Vex mais... fait c'est dommage de pas jouer les full Twitch shots quant à ça quoi. J'allais dire good loss, bon. Parce qu'on se fait beaucoup de good loss là. Leona over Senna pour de la frontline. J'avoue que j'ai pas assez étudié parce que je joue pas tout le temps les trucs comme ça. Ok, ça va. Putain, F4 gold, ça m'aime bien. En fait, là, avec Sharpshooter, je suis obligé de jouer 4 Twin Shots, en gros, quoi. Donc, Jinx sera mon level 8. Le truc, c'est que... on a envie de jouer 3 Socialites, donc il faut aussi que je rende Séraphine, mais du coup, j'ai pas de tank. Il faut normalement que tu puisses trouver Vex ou Morgana, qui, globalement, arrive à te faire stabiliser la front, quoi. Et sauf que dans cette game, j'arrive pas à trouver la solution. Parce que là, clairement, j'ai pas trop besoin de ces deux-là, quoi. Sur le papier, j'ai vraiment pas besoin de ça, quoi. Genre vraiment ça et ça c'est 1000 fois mieux à mon avis. Mais bon comme j'ai Twitch, comme j'ai Sharp, est-ce que je peux me permettre de virer 2 levels 2 aussi puissants? Dur. C'est pour ça que là je bug un peu. C'est quoi la solution PDB? T'avoue que je l'ai pas là ici. Là c'est pour moi c'est sûr que c'est full Sharp en espérant avoir des items GP mais... Il a dash ce vieux. Putain, il a dash ce bouffon! Pourquoi il est level 7? Et pourquoi je stack que des level 7? Mais comment je peux perdre avec le setup que j'ai? Vraiment, il faut m'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux perdre? J'ai pas de tank, ok. Donc, toi, t'es clown. Toi, tu vas rentrer. Mais j'arrive même pas à gagner un round! Trois sociaux level 7. Ouais, non, je suis d'accord pour Senna et Séraphine. Donc ça fait Séraphine, Senna, Lucian, Gangplank, Corki. Gnar. Et après, il y a un dernier. Ou Morgana. En fait, comme j'ai IE Spellcreed, j'ai envie de value Arcaniste, mais j'ai pas rentré Ziggs et machin. Non, mais lui aussi est level 7. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette game? C'est chelou.
Clown, clown. Clown. Nice, Gargoyle. Ok, c'est Morgana notre carry. Lui, on veut pas le faire level 3, je pense. Ok, ça m'aide un petit peu. Mais du coup, je sors de Yordle, hein. Plus yo-yo, hein. C'est la question que je pose, en fait, depuis tout à l'heure. Après, je peux laisser ça. Bramble Zap, sinon Bramble Zap, 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 Bramble Zap. C'est pas très tanky, Zap. Et ça m'énerve que ces deux-là n'aient pas d'item. Ah, c'est que je suis face à des manalès, quoi, donc. Ça marche pas le full enchanter face à Manalès? Après, Lucien il aime bien Manalès qu'il peut one tap derrière, mais. Level 3, level 3. Merci Falcolino! Merci pour le 8ème mois. Hier j'ai perdu avec Manalès, Malzahar 3, Shogga 3, full stuff quand on setup, c'est archi broken Lucien. Ouais. Attends de voir hein, Lucien qui défine. Bon, ok, c'est pas mal en vrai. Ok. Ben, cool, pas. Il manque. Alors là, est-ce que je roll des 3 stars ou est-ce que je rentre Séraphine et Jinx? Trois stars, c'est pas mal en vrai. Mais Séraphine, c'est bien en vrai. Là, c'est Séraphine en gros, hein. Mais d'accord. Hein. Sauf si Vex arrive à 2000 à l'heure avant Morgana, et dans ce cas-là, je change le stuff. Ah, oh, fuck. Putain, je touche un 10 000 trucs par roll. On va pas se faire chier à faire Corki, je crois. Pas de guerre. Jamais Vex? Putain, BGRO une fois de trois. Bah pour moi, Vex dégage pour Séraphine. Est-ce que Gangplank, j'ai rien lui mettre ça en vrai. 5 gold arc pour un Gangplank, il peut faire un truc. Hein. C'est jamais Vex. Donc là, on boom, on vire, on met Séraphine. Agreed? Et on fait Lucian 3, Morgana 3. Putain, mais j'ai déjà 6 Vex là, pratiquement. T'es un as comme ça. Hein. Non? Ah, il faut absolument Morgana 3, je pense. Hein. Morgana 3, Lucian 3 en prio. Oh putain, les dégâts. Il y a quelque chose.
Et dernier Jinx, quoi. Non, mais Vex, c'est peut-être fake, c'est ok. On a gratté un peu d'économie avec les yo-yo. Ah, après, c'est un man à l'aise, hein. C'est un man à l'aise, donc le makeshift est chiant, en fait, pour eux. Parce que dans tous les cas, du Lucian tue tout le monde, donc il n'y a pas besoin de méditation. Il faut juste pas que les autres meurent. Hein. On a un tank, et là, tout... En fait, on a un problème de tankiness, donc est-ce que c'est pas... Si, c'est ça, hein. Bon, il y a LGP qui va avoir un item soon, mais... Ça ralentit trop, Malzahar, ça. Ah, j'aime bien. J'aurais pris. Ah, il tente un peu de réussite. Hein. Ok, nice. Ah, il rit, bah, trop bien. PDB agreed, agreed. On va trouver un truc. We can do better. Je ne comprends pas pourquoi tu restes au level 7 pour roll des 3 golds et non au 8 où tu peux avoir une fronde de plus. Parce que passer de level 7 au level 8 ça coûte 50 golds. Tu oublies ce facteur là. Toi tu crois que c'est gratuit en fait. Est-ce que tu préfères push level 8, poser une Vex et ne pas avoir tes 3 costs? Ou tu préfères avoir tes 3 costs et après mettre la pression et arriver au level 8? C'est la question que tu dois te poser. Sachant que tout le lobby joue Vex Malzahar, Shogat, que je suis le seul. Je suis pas le seul joueur de Twin Shot, et que je peux trouver mes champions. Ah, mais Morgana 2, c'est à chier, mais Morgana 3, c'est vraiment bien. Zrot? Warmog. Bon, du coup, on va pas équiper l'arc, hein, tant pis. Hein. Nice. L'âge de Lucienne, toujours un plaisir. Dash de Lucian dans un Draven qui vient de prendre le reset. Comment il y a un reset Draven? Donc il m'a regagné tout seul devant. Bon, de toute façon, là, il faut gagner tous les rounds maintenant. Je préfère qu'il ait makeshift qu'un arc. Hein. Online. C'est mieux qu'avoir une Vex 2. Putain, il fallait sortir lui. Hein. Oh, il était en full chain win. Hein. Il était en 5 victoires d'affilée avant de me taguer. Trinda 3, Warwick 3, Queen 3. Oh, 6 challengers en plus. On vient de Vex. Vex who's back. Mais genre, Morgana 2, c'est vraiment genre... c'est pire champion du jeu, mais Morgana 3, c'est incroyable. Genre, la différence est folle, quoi. Tout est multiplié. Plus de shield, plus de stun, plus de dégâts. Et comme elle a plus d'HP, elle tank plus. Donc la shield est plus value. C'est... Loco. Ou Corki, mais une roquette là, c'est dangereux. Hein. Oh.
Ok. Salut, c'est nous. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'il y a un item pour Gangplank? Buff niveau 3, il va faire des trucs. Hein. Loquette, c'était bof. Ouais, c'était bof. Il y avait Jace Enforcer. Il commence le fight, il one shot, c'est cool quoi. Salut mon Ben, merci beaucoup pour le resub. J'espère que ça se passe bien. She's like a corp! Mais l'arc du coup? Non, le chat Twitch, je ne veux pas. Oh, c'est un Maladar 3 ça, non? Faut pas faire de la place derrière Lucienne pour qu'il dash pas toujours en or. Je ne sais pas comment il dash Lucienne. Oh, tout à fait franc. Dashes away from his current target. Ah oui, c'est pas broken, Manes. Tu lui agriffes le blue buff? Ah lui, il voulait blue buff? Regardez, Manales, level 9, tranquille. Level 7, 50. Oh, allez. Ouh là là. Bowdraven. Warwick Reroll. Manales. Pas Manales, pas Manales. C'est mon ami le Warwick! Aïe. Par contre, il va avoir un reset sur le Gangplank. Ça, c'est pas bon, ça. Broken. Broken, Warwick, broken, broken, broken. Tout est broken. Manales est broken, Warwick est broken. Lucian est broken. Mais alors du coup, si tout le monde joue les compos, qu'est-ce qui est broken? Si tout est broken, rien n'est broken. Corki ne sert à rien, non? Eh, hey, écoute-moi bien, Chaudet. Tu vois ce Corki? Il est avant tout là pour l'équipe. Il est twinshot. Grâce à lui, l'équipe passe à 55% de chance d'avoir deux ultis. Donc tu vas mieux parler de ce Corki, mon pote. Alors ça, j'hésite à le mettre sur le Gangplank ou Jinx. Et là, on va y aller. S'il y a une Jinx, je le mets dessus, mais sinon, je pense que je vais safe. Alors Lulu, elle nous a ramené Enchanter et Yordle. Mais je vais quand même continuer à roll toute la game pour avoir Jinx. Parce que du coup, Jinx pourra nous donner 70% de chance d'ulti. Deux fois. Aïe 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 attends mais... C'est pas une va... Mais non! Lulu? Ah, je peux pas acheter! Allez, on achète une. Toujours pas Lulu 3. Alors, on joue contre quoi? Manales ou Draven. Toto. Il a l'air fort ça quand même. Je pense pas que Gnar doit être derrière. Gnar doit être devant.
Lulu aussi doit être devant. Parce que là, Morgana tombe. Les ennemis turnent sur Lucian. Alors que s'il y avait Gnar là, plutôt que là, qui sert à rien. Luludif ! Ulti de Luludif ! Ah bah. Merci, mais on peut dire GG à Lulu pour son giganto. Il était trop respectueux. Just not... Tu vois, là, ça, à mon avis, c'est bien. Ça, le setup. Tu veux ça et ça. 1, 2, 2, 1, 3. Est-ce qu'on peut dire... Manales, par contre. Allez. Je lui offre. J'ai quitté le stream 5 minutes et il a Morgana 3, Lucian 3, c'est passé quoi? Je te dirai quand repartir à la prochaine partie, frérot. Si tu es la raison pour laquelle je touche... Merci, mon pote. Parce que au game précédent, je n'ai rien touché. Hein. Mais vraiment, c'était très grave. Hein. Comment tu t'appelles? Ashkadez. Attends, Ashkadez, comme ça, j'oublie pas. Je le mets dans mon post-it. Ashkadez, prochaine game, il va falloir que tu te casses au bout d'un moment. Je t'aime très fort. T'es sûrement une chouette personne. Mais tu vas devoir te barrer. Malheureusement. Il cherche quoi, lui, d'ailleurs? Est-ce que je peux lui deny un truc? Hop là. Non, ça doit être français, je les griffe. Il cherche un Gyarkazix, non? En plus, c'est mieux, désolé. Jinx ou Lulu 3? Lulu 3? Jinx? Alors, Manales ou Manales? On emmène la bâchette là-bas. Ouh là là, le Lucian. Ouh le Lucian. Putain, mais il a un rimutant, lui. À croire que ça fait un mois et demi qu'on joue au 7, qui est ça? Ok, Lulu! I tried so hard! Laissez Morgana front du coup. Putain, Lucian, en vrai, c'est... Ok, bah il n'a pas casse, Morgana. J'ai un tank niveau 3, Warmog Bramblezav, qui n'a pas casse, quand même. Mais qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que je fasse? Non, mais c'est vrai, attends. Elle a pas casse. C'est des dégâts de Zav, ça. Comment c'est possible? Et comment je gère le dash de Lucian? Si je recule Morgana, Alistar doit avancer, donc Lucian va dash derrière. Alors peut-être... Jinx 2 ? On change de Gnar peut-être pour l'équipe ?
Arcdiff. Ok. Mes bébous loulous d'amour. Mes bébous loulous d'amour. Ceux qui ont écrit Arcdiff. Je vais vous faire un paint. Make shift armor. Donne de la résistance. Alors je vais mettre un peu de poids sur résistance à l'approche des élections présidentielles. Magique. Alors...